promesse heureuse est assortie à celui qui d'abord, on a chanté dans le psaume, heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Donc ça n'invalide pas du tout le reste de nos vies, dans nos épreuves, dans nos joies. Voilà, tout est regardé à travers, encore une fois, cette conversion où Dieu peut nous rejoindre à travers ces événements qui ponctuent notre quotidien, nos parcours humains. Et parce que c'est Dieu qui d'abord est accueilli, alors nous pouvons changer de regard sur ce qui nous entoure. Et c'est important, et ça n'est jamais acquis. Nous le savons, voilà, vous demandez à recevoir le sacrement des malades, donc c'est toujours à un moment donné où nous pourrions nous identifier peut-être à notre maladie. Et Dieu nous dit, je suis celui qui visite la personne éprouvée, si vous me laissez faire demeure en vous, ce qui était dit dans la bénédiction tout à l'heure et dans la prière d'ouverture. Donc ça, je pense que c'est important de se le rappeler, parce que tout ce que nous vivons en Église, pour que la grâce passe, pour que Dieu nous donne son Esprit Saint, il y a toujours ce prérequis qui est de laisser Dieu ou de remercier Dieu pour une naissance dans une famille, pour un amour reçu de l'autre, et puis aussi pour le soin qu'il prend de nous lorsque nous sommes éprouvés. Mais il y aura toujours... Alors, c'est une béatitude et je crois que c'est important qu'elle commence, parce qu'il y en a plusieurs, par « heureux les pauvres ». Parce que de fait, vous pouvez très vite penser « heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Et donc on va se dire « bah oui, je dois être miséricordieux envers autrui ». Moi, je ne pense pas. Je pense que parce que nous sommes pauvres et que le pardon est difficile à accorder, nous en faisons tous l'expérience, alors nous demandons une fois de plus, je l'ai souvent dit, à Dieu de nous donner la force de pardonner. Donc il y a une vertu de pauvreté au départ, de disponibilité, pour que Dieu nous fasse don de ce que nous n'avons pas, face à nos impossibles humains, que Dieu rende quelque chose possible à travers la grâce qu'il nous donne. C'est tous les sacrements qui sont là. L'amour, je ne me l'approprie pas, sinon ça devient de la convoitise, donc je vis cet amour reçu à travers le sacrement du mariage. La maladie, je ne me l'approprie pas, et donc je vis ce qui est éprouvé dans mon corps et dans mes limites, aussi comme une nouvelle possibilité de me tourner vers Dieu. Et puis après, c'est tout ce qui fait les soucis de nos vies quotidiennes, relationnel, etc. Et chacun trouverait ses exemples. Alors, de fait, celui qui entre dans cette logique de réception, pour rejoindre la lecture de saint Paul, il va faire l'expérience de la vie éternelle. Déjà, la grâce nous fait entrer dans quelque chose de la résurrection. La maladie est une passion. Ben, c'est ce moment un peu étroit où nous sentons que nos forces diminuent, et que ce que nous pouvions faire, nous ne pouvons plus le faire d'une manière aussi enjouée, ou après les problèmes relationnels que nous pouvons vivre, et c'est l'occasion de se souvenir, de faire mémoire, comme on le fera à l'autel tout à l'heure, nous faisons mémoire que Dieu nous visite à travers ces événements plus difficiles, plus limités. Donc ça conduit à la résurrection. C'est François Varillon qui dit, donc un théologien on va dire, enfin qui a écrit plusieurs livres, et qui dit que ne cherchons pas trop à savoir si nous aurons la vie éternelle au-delà de cette vie. Et lui dit, il s'agit d'être vivant dès maintenant. Ce qui n'est pas faux. En soi, nous l'espérons, cette vie éternelle, bien sûr, puis nous y croyons, puis nous le redirons dans le credo. Mais quand même, nous sommes invités à vivre, à être vivants aujourd'hui. Voilà. Et le sacrement des malades qui va être donné, c'est pour cela. C'est pour nous maintenir dans la vie, dans l'esprit qui nous permet de poursuivre la route dans un accompagnement... Que Dieu permet. Donc si nous sommes pauvres, si nous sommes réceptifs, si nous avons un cœur capable de laisser Dieu entrer, eh bien alors de fait, nous aurons tout ce qui est assorti. Alors, une des béatitudes bien sûr, c'est heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et là à nouveau, c'est comme la miséricorde, et puis nous le redisons suffisamment dans la prière eucharistique, la paix c'est pas vous qui êtes paisible, hein. C'est aussi un don de Dieu. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos maladies, voilà, nos épreuves, mais la foi de ton Église. C'est-à-dire que ce don que Dieu nous fait, qui est un don de l'Esprit, c'est toujours lié à une attitude de pauvreté et d'humilité première qui a permis de recevoir ce qui fait de nous des fils. Et je pense qu'une fois que vous avez compris que tout dépend, mais je crois que je le dis quand même assez souvent, mais ça faisait un petit moment que j'étais devenu acquiesce, une fois que nous avons compris que nous apprenons la pauvreté, mais comme une chance, alors nous sommes mortels, Dieu l'a voulu ainsi, nous sommes fragiles, nous sommes éprouvés, nous sommes malades, parfois nous sommes déçus par
grave ce monde. Nous sommes déçus par des proches, des gens auxquels nous avons mis notre confiance, mais peut-être de manière, comme l'a dit Jérémie, trop humaine. Mais qui ne fait pas ce genre d'expérience? C'est encore une fois l'occasion de se rappeler, c'est fort, hein, maudit celui qui met sa confiance en un mortel. C'est choquant presque un peu, même. Parce qu'on vit quand même tous de relations, hein, c'est ce qui nous fait à l'image de Dieu. Ben, rappelons-nous, ce qui a sorti et ce qui équilibre toutes nos relations, et nous sommes appelés à la communion, ce sera toujours d'avoir bien pensé à se tourner vers Dieu au préalable. Et on l'oubliera toujours, hein, bien sûr, mais faites ceci en mémoire de moi. Corps livré, sang versé, c'est ce que vous allez vivre. Hein. Donc les sacrements nous crucifient. Vous le savez, voilà. Vous le savez, tous les sacrements nous crucifient. Pourquoi? Mais parce que nous nous rendons disponibles, les bras ouverts, pour qu'un autre puisse nous porter. Je vous dis des choses que vous savez. Hein. Voilà. Mais, encore une fois, nul n'entre dans la dimension de la résurrection, et donc de la vie éternelle, dès maintenant, sans au préalable avoir éprouvé la passion. Donc tout cela, ce que j'aimerais que vous compreniez, mais je le dis quand même régulièrement, c'est que c'est positif. La passion n'est pas une espèce d'épreuve qui fait que je me tourne vers Dieu en lui disant « Mais qu'est-ce que je ferai au bon Dieu pour mériter cela ?» La passion, c'est pour nous rappeler que nous sommes éprouvés et que nous pouvons à nouveau ouvrir notre cœur à celui qui nous aime inconditionnellement. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais conclure, hein, mais Jésus est venu appeler les malades et les pécheurs. Ça veut dire que si nous ne sommes ni malades ni pécheurs, eh bien en fait c'est que vous ne rencontrez pas Dieu et vous êtes un des béatitudes. Quel malheur! Vous riez. Aujourd'hui, vous pleurerez. Alors, nous sommes nous dans la joie spirituelle, comme un don de Dieu. Encore une fois, non pas parce que nous sommes dans le rire gras, comme dirait saint Benoît dans sa règle, nous sommes dans une joie très légère en nous parce que l'Esprit Saint. Bienheureux, heureux, vous qui êtes ici, mais pas sa plaie, nous tous, parce que nous sommes venus pour que Dieu puisse nous donner sa grâce.